Donc on va continuer notre vidéo concernant donc les phénomènes ou expériences aléatoires. En fait, cette vidéo a été coupée puisque en fait je suis parti, hein, je suis parti donc je suis parti en pleine intervention de ma caméra et comme j'ai pas envie de faire des montages, donc ça prendrait trop de temps. Hein, je veux dire, je vais refaire une seconde vidéo ici qui va être le complément de la vidéo précédente concernant, je veux dire. Les phénomènes ou expériences aléatoires avec un aspect mathématique des choses en fait. Contrairement à une vidéo que j'avais fait auparavant sur l'aspect hasard, mais sans tenir compte des paramètres, je veux dire, mathématiques qu'on peut, je veux dire, enfin, sans introduire l'aspect mathématique qu'on aurait pu faire, mais que je n'ai pas fait à ce moment-là. Donc, mais la seconde vidéo était plutôt orientée vers un aspect mathématique sans mettre d'équation. Sans mettre d'équations, sans mettre de formules, rien du tout. Voilà, donc j'ai permis d'appréhender la phase, donc l'aspect hasard, dans un premier temps, sous une phase conceptuelle, et puis vers une dérive un peu plus mathématique, parce que j'ai dit que l'aspect mathématique ferait intervenir plutôt des nombres. Hein, c'est des nombres. Il faudra qu'il y ait des nombres en présence pour avoir des résultats qui sont des nombres en finalité. Voilà. Donc ici, on va traiter plus je veux dire, la mathématique en relation avec les nombres qui rentrent en jeu dans les expériences aléatoires. Bon, donc j'avais défini un phénomène aléatoire comme étant. C'est une expérience. Voilà, un phénomène ou expérience aléatoire. Bon, c'est synonyme, hein, phénomène, expérience. On dirait que les définitions sont plus nuancées ici dans le cadre l'aspect mathématique. Contrairement auparavant, j'avais dans l'aspect conceptuel, j'avais donné des définitions tout azimut, hein, de phénomènes, d'expériences, tralali, tralala. Contrairement à ici, la définition va se forger plus dans un aspect mathématique avec certaines nuances. Donc, on n'est pas dans une généralité, mais dans un concept mathématique maintenant. Donc, et dans le concept mathématique, un phénomène aléatoire, c'est une expérience pouvant donner lieu à plusieurs résultats possibles, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Ça, je l'avais déjà dit. Donc, si je prends une pièce avec un 1 et un 1, ben, si je la fais tourner, on aura. Enfin, si je la lance, j'aurai toujours un 1. Donc, il n'y a pas d'imprévisibilité du résultat, puisqu'on saura bien qu'on aura 1. Donc, là, il n'y a pas de. On n'a pas de surprise par rapport au résultat qui va sortir. Donc, il faut plusieurs résultats en sortie, voilà, qui sont indéterminés. Alors, la notation, c'était H, mais quand j'en ai plusieurs, c'est avec un indice H1, H2. Donc, ici, j'ai deux phénomènes ou expériences aléatoires. Qui sont des actions en fait, ce sont des actions. L'action c'est de jeter un dé. Jeter, bien sûr, c'est le verbe d'action ER, jeter, ER, jeter un dé. Tirage de carte, si je veux le verbe d'action, c'est tirer. Tirer. Si c'est un verbe d'action, c'est tirer. Si c'est un nom, on dit le tirage. Le tirage de carte ou le verbe d'action tirer. Le tirage de cartes ou tirer des cartes. Voilà. Ici, on dira un jet de dés ou jeter un dé. Voilà l'action. Alors, tirer des cartes. J'en étais arrivé à ceci, tirer des cartes. Bon, on peut avoir des jeux, hein, on peut décomposer le jeu de cartes. Généralement, un jeu de cartes, il y a une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et bien sûr, ici, il y a des figures de personnages. On a le valet, la dame et le roi. Et là, on peut avoir, on a des jokers en plus. Hein. Bon, ben, généralement, les jokers, on va les retirer pour les jeux de cartes. Joker intervient que pour certains jeux de cartes. Ici, on a l'as, bien sûr. L'as, c'est le 1. Donc, on a 13 cartes, mais sous diverses figures. On a la figure
du carreau, du pic, du cœur et du trèfle à trois feuilles. Voilà. Donc, le cœur, c'est rouge, le carreau, c'est rouge, le pic et le trèfle sont noirs. Donc, on aura 4 fois 13 cartes, mais 4 fois 13 cartes sous diverses figures. Donc, on aura 13 cartes fois 2 qui représentent les rouges. On aura 26 cartes rouges et 13 cartes fois 2 qui représentent 26 noirs. Donc, on a 26 rouges et 26 noirs. Donc, au total, on a bien sûr 52 cartes. 13 fois 4 fait bien 52 cartes. Donc, on a bien 52 cartes. Donc, on a 13 valeurs, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mais sous diverses figures. Et les 11, 12, 13 sont dessinés, hein. Ce sont des personnages qu'on a. Hein, voilà. Et je veux dire, elles sont dessinées en symétrique, je crois. En symétrique. Mais les autres cartes ne sont pas. Voilà. Et parfois, pour certains jeux, on enlève le valet, le dame, le roi. Parfois, on les laisse. Voilà. Parfois, ça dépend du jeu de cartes. Bon, voilà. Donc, en fait, on n'a pas toujours un jeu de 52 cartes. On peut avoir plus si on a les jokers. Mais on peut avoir moins si on décide de retirer certaines cartes. Voilà, donc ici, ça c'est tirer des cartes. C'est un phénomène ou une expérience aléatoire. Donc vous voyez que je ne fais pas de mathématiques. Je suis juste en train de définir ce que c'est qu'un phénomène, une expérience aléatoire dans un aspect plus mathématique des choses, sans faire de mathématiques parce que pour l'instant, on ne définit que le phénomène ou expérience aléatoire. Donc je serai à faire dessus, là-dessus. Hein, c'est pas avec un phénomène, une expérience aléatoire, je veux dire qu'on peut tirer des mathématiques. Voilà. Il faut parler d'autres terminologies qui vont faire intervenir là, à ce moment-là, une question. Une question, à ce moment-là, on pourra savoir à partir de la question poser ce qu'on désire calculer. Mais ici, pour l'instant, c'est qu'une action. Il n'y a pas de mathématiques là-dessus. Si, on sait bien que jeter un dé, il y aura des valeurs dans le dé. C'est juste que ça. On va jouer avec des valeurs. Tirer des cartes, on sait bien qu'on va jouer avec des valeurs. Là, on aura 52 cartes de différents aspects. Là, on aura. Si c'était un dé de 6, 6 faces, ben, on aura, si on a toutes différentes valeurs pour chacune des faces, 6 valeurs différentes, ben, on aura 6 valeurs. Donc on voit bien qu'on joue avec des nombres. Donc on va avoir un aspect mathématique des choses. Bon, une troisième, comment est-ce qu'on appelle ça? Un troisième phénomène aléatoire, par exemple, on aurait. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mon marqueur bleu, mais enfin bref, je le chercherai après. H3. Un troisième phénomène aléatoire, ce serait, par exemple, tirage de boules dans une urne. Ou tirer des boules dans une urne. Tirer des boules dans une urne. Alors, l'urne, elle peut être, peu importe la forme de l'urne. L'urne, ça peut être. Un vase en verre, en plexiglas, voilà, dans lequel se trouvent des boules. Et bien sûr, il faut faire en sorte de cacher, quand on va mettre sa main, ben, il faut cacher la façon pour ne pas voir le résultat, bien sûr. Sinon, c'est biaisé, donc c'est tromper et c'est tricher. Tout ce qui est tricherie n'intervient pas là-dessus, justement. Tout ça se fait par des phénomènes sans biais. D'ailleurs, on va voir les règles par après. Voilà, donc une urne, bon, qu'est-ce qu'on peut avoir dans une urne? Des boules, hein, on peut avoir des boules, soit des boules numérotées, hein, ou des boules de couleur. Hein, une rouge, une verte, une bleue, une jaune, voilà, des boules. On peut avoir des boules colorées ou des boules de numérotées. 1, 2, 3, 4. Mais ça ne change rien. Parce que au bout du compte. À la couleur, je peux attribuer une valeur. Hein. Le rouge, c'est 1. Le jaune, le vert, c'est 2. Le jaune, c'est 3.
et le bleu c'est 4. Je crée une application, donc je crée même plus. Oui, une application, je crée une application entre ici une valeur de couleur qui est rouge, vert, bleu, jaune, bleu, enfin rouge, vert, jaune, bleu, que je vais appeler ça une information qualitative, que je transforme en une valeur quantitative, en attribuant, en faisant une application, en créant deux ensembles, d'un ensemble de couleurs vers un, je lui attribue un nombre. Donc ici, j'ai le vert vaudra 2, le jaune vaudra 3, le bleu vaudra 4, et voilà. Et donc, on passe du qualitatif au quantitatif. Et dès qu'on a du quantitatif, ben, je peux faire des mathématiques, puisque en fait, j'ai une expérience aléatoire au travers de résultats qui seront des nombres. Et dès le moment où j'ai des nombres, j'ai. Dès le moment où j'ai des nombres, je peux attribuer une mathématique. Voilà, au travers de formules, de lois, etc. Bon, alors maintenant. On va prendre une quatrième expérience, c'est choisir, sélectionner, on va dire, sélectionner une personne dans un groupe, sélectionner des personnes dans un groupe. Et connaître sa date d'anniversaire. En fait, c'est le jeu des anniversaires, hein. Voilà, je sélectionne des anniversaires et essayer de faire une correspondance. Voilà. Donc, sélectionner des personnes dans un groupe, hein, et essayer de connaître sa date de, enfin, leur date de, connaître leur date de sélectionner des personnes et connaître leur date d'anniversaire. Et à partir de ça, voir quand est-ce que je veux dire, il y a deux anniversaires qui seront égales, deux dates d'anniversaire qui sont très égales, qui seront égales. Donc, tirer deux personnes pour lesquelles leur date d'anniversaire est identique. Je ne parle pas de l'année. Quand je parle de la date d'anniversaire, c'est par exemple un 28 février, hein. Bon. Je regarde pas l'année, hein. Je regarde la date, c'est 28 février, 7 mars, voilà, sans compter l'année. Ici, en fait, si je compte l'année, je peux compter l'année. Voilà. Mais là, il y a trois informations. Une, celle du jour, celle du mois et celle de l'année. On voit que le jour, bon, ça dépendra du mois. Si c'est un mois de février, on pourra, s'il y a les années bissextiles, il faudra faire attention. Mais si par exemple je prends le mois de mars, mais le mois de mars, ce sera 31 jours. Voilà. Donc, on aura 12 mois. Sur chacun de 12 mois, ben, sont comptabilisés pour chacun des mois le nombre de jours. Et il faudra regarder la date d'anniversaire par rapport aux personnes qu'on a dans le groupe. Si c'est des vieilles personnes, ben, faut aller rechercher des dates un peu éloignées. Si c'est des jeunes, bon, on a des dates plus proches. Donc, qui dit date plus proche, si je fais l'écart entre la date d'aujourd'hui et une date proche, mais si c'était un parterre d'étudiants d'une vingtaine d'années, ben, je peux avoir des étudiants qui ont doublé, triplé, jusqu'à, on va dire, qu'ils ont 25 ans. Bon, il y aura des cas de figure plus rares où des gens reprennent des études, et ils auront 30 ans et reprennent des études. Ça, c'est déjà plus rare. Mais ça peut arriver. Bon, là, bon, dans la statistique, ils seront en dehors de la norme. Alors que ceux qui ont la vingtaine, 21, 22, qui ont peut-être doublé une fois, seront dans la norme. Doubler une fois, c'est dans la norme. Mais doubler 3-4 fois, c'est déjà moins dans la norme. Arriver à 20 ans, avoir doublé 3-4 fois, c'est déjà, bon, voilà, on n'arrive pas en supérieur, je veux dire, en ayant doublé 3-4 fois. Ça peut arriver, mais. Pour autant qu'on se reprenne, mais bon, c'est pas dans la norme. Donc, l'écart entre la date, enfin l'année, si j'ai un parterre de personnes de 20 ans, ben, si j'ai 20 ans, mais je fais 2000, on est en 2018, moins 20 ans, mais ce qui fait que je prendrai mon assise d'année à partir de 1900,
1900, si j'ai à partir exclusivement de 20 ans, 1900, c'est 2000 moins 2, 1998. 1998. Voilà. Donc je sais bien que mes statistiques, enfin ma probabilité pour les années iront de 1998 à... Enfin, pour trouver les mêmes années, s'ils ont, il y a beaucoup de gens de 20 ans, mais il y a beaucoup de gens qui seront nés en 1998. Donc, fatalement, on trouvera beaucoup de gens qui seront nés en 1998 dans le partir, dans le groupe, si je prends un groupe d'étudiants de 20 ans. Voilà. Donc, ce sera assez facile de trouver 1998 dans le groupe. Voilà. Le mois de février, bon, mais on a une sélection de 12, on a 12 mois possibles, bon, c'est pas difficile non plus. Parce qu'on a que 12 possibilités de 2 mois. Pour les années, ce sera plus facile, parce qu'en fait, c'est un groupe de 20 ans, ils ont environ la vingtaine, et s'ils sont dans la norme, ils n'ont jamais raté, ben, ils auront 20 ans, s'ils ont raté peut-être une fois, 21 ans, s'ils sont rentrés à l'école en retard, peut-être 21 ans, sans avoir doublé, s'ils sont rentrés un an en retard en ayant doublé, ça fera 22. Là, s'ils ont raté 2 fois, ça peut être 23 ou 24. Voilà, mais on trouvera, je veux dire, une moyenne de tournant autour, oscillant autour de 20 et 25 ans. Voilà, et rarement un gars qui reprend des études, voilà, de 30 ans. Donc, trouver la même année pour une date d'anniversaire sera facile. Maintenant, pour les mois, j'aurai 12 mois possibles. Voilà, et pour les jours, bon, c'est déjà plus délicat. Parce que là, à ce moment-là, et pour avoir les trois, c'est plus difficile, hein. Pour avoir les trois, pour avoir l'année, le mois et le jour, bon, hein, vous remarquerez que c'est déjà plus difficile. Voilà. Et ça, c'est le jeu des dates d'anniversaire. Donc, trouver deux personnes qui ont des dates d'anniversaire le même jour et le même mois. Et on peut rajouter l'année si on veut. Hein. Et alors là, c'est. Si le groupe n'est constitué que de personnes, des étudiants, mais pour trouver l'année, c'est facile. Puisqu'on est dans une tranche petite, mais si on a tout un parterre de personnes, bon, là, si on a des vieux et des jeunes, bon, l'année devient plus compliquée à se coïncider. Voilà, l'année devient plus difficile à coïncider. Voilà, et ça, c'est la sélection des personnes dans un groupe. Hein, ça peut être un groupe de jeunes, comme ça peut être un groupe disparate de personnes, de vieux et de jeunes. Et là, la difficulté est plus grande que pour l'année, pour des personnes d'un groupe uniquement de jeunes. Et surtout si c'est une classe d'étudiants, parce qu'une classe d'étudiants, on a une tranche d'âge. Allant, par exemple, si c'est une première année de 20 ans à 23, 24 ans. On peut avoir 18 ans, enfin, je m'excuse. Première année, c'est de 17, on peut avoir de 17 à 20, 24 ans, 20, 24, et rarement quelqu'un qui reprend des études à 25, 30 ans, rarement. Voilà. Donc la date sera plus facile à trouver, enfin, là, au niveau de l'année, que pour un groupe disparate. Parce que groupe disparate, on a des vieux, des jeunes, des enfants. Là, pour trouver l'année, bon, pour qu'elle soit coïncide, dans un groupe disparate, c'est plus compliqué. Maintenant, quel que soit le groupe, que ce soit des disparates ou pas, le mois, la difficulté sera sera la même qu'on ait un groupe d'étudiants ou un groupe disparate. Parce que l'année, le mois, il n'y a que 12 mois. Bon, on est tous nés parmi un des 12 mois. Voilà. Et le jour, c'est pareil. Le jour, on est tous. On n'a pas une plus. La tranche d'année augmente. Elle peut augmenter suivant le groupe. Si j'étale mon groupe à des personnes plus vieilles et notamment plus jeunes, l'écartement des années augmente. Donc, fatalement, pour trouver la coïncidence, c'est plus difficile. Mais pour les mois, bon, tout le monde est né entre janvier et décembre. Hein, voilà. Voilà. Et tout le monde naît un jour correspondant du mois. Donc, là, on risque pas de, je veux dire, avoir des. Voilà. Quoi qu'il y a quand même beaucoup de jours, il y a quand même 31 jours dans un mois, enfin, entre 30, aussi entre 28 et 31 jours dans un mois, et comme il y a 12 mois, il y a quand même beaucoup de jours. Voilà, mais de toute façon, c'est toujours entre 1 et 20, 28, 1 et 31, 1 et 30. Bon, voilà, c'est toujours entre 1 et 30, 1, 28, voilà. Mais si je prends donc 1, 28, 1, 30, 1 et 31, voilà les jours. Si je dis 2, ben 2 correspond aussi de 1 à 30. 2 correspond de 1 à 28. Si je dis 5, ben ça correspond de 5 à 31.
5 à 30, 5 à 28, donc que ce soit 5 du mois de février, 5 du mois de décembre ou 5 du mois d'octobre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Enfin, on va regarder le mois de janvier, c'est jusque 31. Février, bon, ça dépend des années bissextiles. Si je prends mars 31, voilà, avril 30. Mars 31, avril 30. Donc, s'il faut sélectionner entre deux dates d'anniversaire, un qui est le 5 février, enfin, pour qu'on tombe sur un 5, c'est assez simple, hein. Voilà. Pour tomber sur un 5, c'est assez simple. Parce que mars contiendra le 5 et février contiendra le 5. Maintenant, il faudra aller regarder le mois. Le mois. S'ils sont égaux en jours, ça va. Mais ça ne suffit pas. Pour les regarder, est-ce qu'ils sont égaux en mois? Ben, là, il y a 12 mois possibles. 1 à 12. Et les années, ça dépend du groupe. Disparate du groupe, si on étale le groupe à des vieux, ben on peut aller de 1935 à 2018. Voilà. Enfin, s'il y a un nouveau-né, 2017. 2017. Donc l'année sera, je veux dire, et pour que ça se rejoigne, ce sera d'autant plus compliqué, plus on a un groupe disparate, qu'on n'est pas dans un groupe d'étudiants, puisque l'année va être difficile à trouver. Et alors, bon, les mois, que le groupe soit disparate ou pas, les mois aura la même difficulté, hein, pour qu'elle se coïncide. Voilà. Et les jours, ben, je veux dire, les jours, bon, ça va de 1 au maximum 31. Maximum 31. Et 30 si on est dans un mois plus court, et 28 si on est dans un mois bissextile, c'est-à-dire février. Voilà, donc H4, sélectionner des personnes dans un groupe et connaître leur date d'anniversaire. Ben, c'est un phénomène aléatoire, c'est une action. C'est un phénomène aléatoire, c'est une action. On va attirer des personnes, on va regarder si ces personnes ont le même anniversaire. Bon, H5, on va prendre une autre expérience. Tirage ou tirer des écrous et des vis dans une boîte. Bon. Soit tout est mélangé, tout sort de la même boîte, l'écrou et les vis, ou... Oui, non, 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 tout est mélangé. Sinon... Ou alors, je peux mettre deux boîtes. Hein. Bon, le jeu peut, je veux dire, bon, là, on a plein d'écrous. On a plein d'écrous de différents diamètres. Et là, j'ai différentes vis de différents diamètres. Alors, je prends ma main sans regarder. Je plonge ma main là, je plonge ma main là, je prends un écrou et une vis. Ou alors, je peux faire le jeu suivant. Je mets une seule boîte. Tout est mélangé. Et j'enlève un écrou et une vis. Et quelle est la probabilité, enfin, par exemple, tirer des écrous et des vis? Le but, c'est de former un boulon. Parce qu'un boulon, c'est une vis formée d'un écrou. Et de former un boulon qui va dedans, qui s'insère dans la vis, se fixe, enfin, le boulon coïncide avec la vis. Le boulon, l'écrou donne un bon boulon, si vous voulez, un bon boulon de serrage. C'est-à-dire que ici, l'écrou s'insère convenablement dans la vis, ou la vis s'insère convenablement dans l'écrou. C'est-à-dire que quand il dit s'insérer, ça veut dire que le mouvement se fait correctement, qu'il n'y a pas de serrage, il n'est pas serrage et qu'il puisse rentrer dedans. En s'insérant, et pas qui s'insère dedans sans prendre, en fait, sans coïncider, ça veut dire que le pas de vis de la vis et les pas de vis de l'écrou doivent coïncider, c'est-à-dire qu'ils doivent glisser l'un dans l'autre, glisser l'un dans l'autre. Si maintenant la vis est trop petite, ben, il n'y aura pas l'entraînement au travers des rails, des rails qu'on appelle du rail hélicoïdal ne se fera pas.
Donc, il faut pas que la vis, en fait, en d'autres mots, c'est ça que je veux dire. La vis ne doit pas être trop petite par rapport à un boulon grand. Hein, ça sert à rien, il va pas tourner dedans. Ou il faut pas qu'il soit trop grand parce que sinon il va pas rentrer dedans. Donc il faut qu'il soit juste. La vis doit être juste par rapport à l'écrou. Voilà, donc en fait, il doit pouvoir s'insérer, tourner. Les pas doivent coïncider, en fait. Bon, les pas de vis doivent coïncider. Donc ça, c'est une expérience aléatoire. Tirer des écrous, des vis soit dans une boîte ou deux boîtes différentes. Hein, on met sa main, on regarde, hop, ça s'insère ou pas. Voilà, de deux boîtes différentes. Ou d'une seule boîte, tout est mélangé. Je sens une vis, je la prends, je sens. Bien sûr, en tirant directement. Parce que si c'est pour commencer à chipoter, là, ça devient du rationnel. Hein, on regarde la taille. Hein, là, ça devient du rationnel, c'est plus du hasard. Hein. Donc, en fait, après, on verra les règles et les petites traits qu'il faut établir, parce que sinon, ça devient du rationnel. Il ne faut pas justement que ça devienne du rationnel. Il ne faut pas que je commence à sentir, hein, celui-ci est trop grand, celui-là est trop petit, donc je ne prends pas celui-là, j'en prends un autre, donc ça devient du rationnel. Donc, on a un chemin qui est dirigé. Donc, là, à ce moment, c'est pas bon. Alors, une autre expérience aléatoire, c'est par exemple dans une usine d'ampoules. J'ai tiré, je veux dire, choix d'une ampoule au hasard, dans un lot déterminé. Par exemple, c'est je viens de prendre le H1, H2, H3, H4, H5. Et ça, c'est le H6. Tirer une ampoule défectueuse parmi un lot déterminé. Bon, j'ai pris ampoule, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi. Et ça, c'est la théorie de comment ça s'appelle ça? De la qualité. J'aurais pu prendre, tirer un objet ou un, comment on va dire, un produit. Un produit. Je vais remplacer ampoule par produit pour le généraliser. Un produit, tirer un produit défectueux parmi un lot. Fabriquer parmi un lot déterminé de la fabrication. Et là, il y a tout. Voilà, on peut tirer et regarder combien sont défectueux parmi. On sort 10 pièces, il y en a combien de défectueux par, on sort 1000 pièces. Sur 1 million de pièces, ben, je sors des pièces et je regarde combien. Dire qu'à la probabilité de tirer, je veux dire, un produit défectueux parmi un lot déterminé de 1 million de pièces, par exemple. Donc ici, je vais déjà un peu trop loin, parce que bon, c'est juste l'action, c'est de tirer un produit défectueux parmi un lot de déterminé de la fabrication. Donc c'est de tirer. Je suis dans l'expérience aléatoire, c'est-à-dire tirer, rien de plus. Je n'ai rien à calculer, rien. C'est juste tirer, c'est l'action. Qu'est-ce que je dois faire? Mais tirer un produit défectueux parmi un lot déterminé de la fabrication. Point. Et là, il y aura des nombres qui vont se jouer parce que bon, on aura combien de défectueux parmi le lot de combien. Donc là, il y aura des nombres qui vont intervenir. Tout comme avec les vis et les écrous, j'aurai un nombre d'écrous, un nombre de vis qui vont jouer. Donc on aura des nombres qui vont jouer. Donc ici, comme je l'ai dit, bon, tout ça, ce sont des expériences aléatoires, c'est-à-dire qu'ils vont faire appel à, je veux dire, le hasard. Donc, ce ne sont pas des expériences déterministes. Hein. Bon, je vais rappeler quand même ce que c'est qu'une expérience aléatoire. C'est une expérience qui répond au moins en partie du hasard. Au moins en partie du hasard. Bon, donc il faut qu'il parle. Il peut être normalement complètement, faire partie complètement du hasard ou en partie du hasard. Donc, mathématiquement, on va dire que, on va le décrire comme expérience aléatoire dès que l'expérience répondra en partie, au moins en partie du hasard, ou complètement, hein. Mais généralement ce sera complètement, mais au moins en partie. Voilà. Alors, contrairement à l'expérience déterministe, qui est une expérience dont les résultats sont fixés par, vous le savez, les seules hypothèses de départ, parce que j'avais expliqué tout ça dans les vidéos concernant dire la généralité sur le concept du hasard. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que l'expérience? Expérience. C'est vrai que j'ai dit phénomène ou expérience aléatoire. Bon. Mais c'est vrai que dans expérience, on sous-entend un ensemble de règles ou de conditions à respecter lors des épreuves. Donc, il faut des règles.
Il faut des, comment ce qu'on appelle, ce que je viens de dire maintenant, des conditions à respecter pour que tout se fasse dans les règles de l'art. Toute façon, qu'est-ce que sont les règles? Les règles sont des conditions à respecter. Ce sont des, les règles, ce sont on va dire, des lois du jeu, des lois du jeu fixées par la communauté pour établir quand est-ce qu'il y a, je veux dire, phénomène. Pour les mathématiciens, c'est les règles, ce sera quand est-ce que les phénomènes seront décrits comme aléatoires. Parce que la mathématique doit fixer ses règles. Parce que si les règles sont mal, sont pas respectées, si les règles sont mal établies, si les règles répondent à de mauvaises conditions, eh bien, à ce moment-là, on n'a plus de phénomène aléatoire. Hein. Si j'ai expliqué avec les écrous, si je commence à mettre ma main pour aller voir si c'est une grande vis ou un petit écrou, ben là, je suis dans le rationnel. Je triche. Je triche. Je suis en train de tricher. Là, je touche. Je viens le toucher. Je suis en train de. Mon cerveau, il est en train de se dire, ouais, bon, lui, il est plus grand que lui. Bon, ça peut aller, ça ne peut pas aller. Bon, voilà. Là, c'est de la tricherie. Donc, en fait, quelque part, pour que. Les mathématiques, pour qu'elles fixent la définition de phénomène aléatoire, il faut qu'il y ait des règles à respecter. Donc, on ne soit pas dans la tricherie. Il faut bannir la tricherie. Donc, par exemple, si on prend le cas du loto, le loto doit absolument créer des lois spécifiques pour établir les règles rigoureuses pour qu'il y ait complètement absence on va dire de plainte contre la société du loto, parce que, enfin, contre le loto. Une plainte qui pourrait dire que bon, l'automne ne remplit pas certaines conditions et alors triche. Bon, voilà. Donc, elle fait tout le nécessaire pour que ça n'arrive pas. Et par exemple, elle appelle même des, comment est-ce qu'on appelle ça, comment est-ce qu'on appelle ça, l'inspecteur qui vient de vérifier si tout fonctionne dans les règles de l'art, suivant les règles établies par, voilà, par la société du jeu et par, bien sûr, préétablies aussi par normalement. Des règles, le cadre de réglementaire, il se fait au départ de la société de jeu, mais il y a aussi au-dessus, hein, parce que voilà, j'imagine que il y a des règlements spécifiques de l'État qui fixent des règles, bon, à travers de normes, hein, j'en sais pas plus, mais bon là, j'imagine, parce qu'on peut pas fixer soi-même les règles, et les règles. Si elle ne cadre pas avec un règlement, je veux dire, de loi, là, à ce moment-là, bon, on enfreint la loi. Donc, ça m'étonnerait que, je veux dire, voilà, les règles répondent à des règles spécifiques, techniques et de normes spécifiques de jeu, hein, en rapport avec les règlements de loi. Hein, voilà. Donc, en fait, mathématiquement, le phénomène aléatoire sera bannira toute forme de règles où il peut y avoir, comment est-ce qu'on appelle ça, un soupçon de tricherie, un soupçon de biais, de biais. Et quand il y aura un biais, on le dira. Voilà. S'il y a une tricherie, on dira, la pièce est trichée. On a triché sur la pièce. On a biaisé. Donc on le dira explicitement. On dira que, voilà, on a un dé, mais en fait, on n'a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans différentes faces, mais on a deux valeurs 2 dans deux faces différentes, on le dira. Donc, fatalement, s'il y a deux valeurs 2 dans deux faces différentes, ben, le 2 il risque d'arriver plus vite. Hein. Bon, fatalement, ça, c'est évident. Si une boule a plus de poids qu'une autre, ben, fatalement, on risque elle est biaisée. Il faut que le poids soit le même pour toutes les boules. Hein. Voilà. Si une boule qui a plus de poids qu'une autre, ben, elle est soit avantagée ou désavantagée, ça dépend du système, comment il est fait. Maintenant, une boule qui est ronde et une boule qui est pas tout à fait ronde, il y en a une qui aura un meilleur glissement que l'autre. Voilà, donc c'est toutes des règles physiques qu'il faudra aborder. Donc toutes les boules doivent être extrêmement scrupuleusement les mêmes. Scrupuleusement, au niveau des coefficients de frottement, au niveau je veux dire, du poids, au niveau de tout, de la taille, tout rentre en ligne de compte, tout. Voilà. Au niveau de la peinture, il ne faut pas que voilà, ça laisse des grains, et puis qu'on a un frottement à cause de ces grains, alors que l'autre, elle est plus lisse. Bon,
Voilà. Les distances aussi, où les boules doivent aller, bon, où elles, à partir de où elles sont lancées, tralali, tralala, bon, j'imagine que tout est étudié pour éviter, je veux dire, le biais, la tricherie, tout ce qu'on veut. Donc en fait, il y a l'expérience. L'expérience aléatoire, ben, ce sera l'ensemble des règles ou des conditions à respecter lors d'une épreuve. Et qu'est-ce que c'est que cette épreuve? Ben, c'est comme un examen. L'épreuve, c'est de respecter justement cette expérience, ces règles. L'épreuve doit respecter. L'épreuve respecte les règles mises en place. Donc respecte l'expérience. Les règles mises en place, mises en jeu. Voilà. Donc l'épreuve doit respecter les règles mises en place, mises en jeu au travers des consignes bien spécifiques que doit remplir, je veux dire, l'expérience. L'expérience doit remplir certaines règles. Donc, elle doit répondre à des consignes. Consignes, bien sûr, tout doit être étudié pour que il n'y ait pas la place au biais ou il n'y ait pas de la place à la tricherie. Voilà. Voilà. Et qu'il n'y ait pas de la place au rationnel. Au rationnel. Tout doit se faire toutes les transformations doivent se faire dans un mouvement où il n'y ait pas la main de l'être humain qui vienne. Biaiser en fait le phénomène aléatoire. Voilà. Donc on devra respecter les règles de l'art pour l'expérience aléatoire. Bon, je vais te donner par exemple une règle de l'art pour jeter un dé. Donc l'expérience aléatoire, jeter un dé. Bon, jeter un dé, ben, déjà de 1, qu'est-ce qu'il faut faire? 1, prendre un dé non biaisé, donc non pipé. Parce que dans les tours de magie, en fait, là, il y a des dés biaisés, et donc pipés, donc fatalement, quand on les lance, bon, on sait bien que hein, ce n'est pas les autres résultats qui vont arriver. Dans le tour de magie, on sait bien c'est quelle valeur qui va arriver, parce que le dé, on a triché sur le dé. Il est fait de telle manière à avoir toujours un résultat bien précis et pas toutes les faces n'ont pas la même probabilité d'arriver. Donc en fait, on a biaisé de telle manière. Voilà. Donc il faut prendre donc un dé non pipé, lancer. Si on le fait à la main, on peut le lancer à la main ou à la machine. Lancer donc main ouverte. Lancer main ouverte. À ce qu'il fasse. Plus d'un tour. Donc plus d'un tour sur lui-même. Avant de s'arrêter à plat. Bon, donc voilà une règle à respecter pour le lancer de dés. Donc jeter un dé, ouais, mais au travers ça, il y a des règles, hein. Prendre un dé non pipé, déjà de 1, lancer main ouverte convenablement, à ce qu'il fasse plus d'un tour. Parce qu'il y a des personnes, ils doivent obtenir un 6. Mais ils s'arrangent pour lancer le dé, hein, pour que le dé aille glisser, et comme il part sur le 6, il le glisse, ben, fatalement il va arriver sur le 6, parce qu'il a glissé, il n'a pas tourné. Il le lance comme ça, il a juste glissé. D'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont le faire tourner avec un tour, sachant que le 6 est en dessous, ben, ils le lancent, et quand ils le lancent, ils arrivent à faire un tour, et quand ils font un tour, il a le 6. Donc ça, c'est tricher aussi. Donc en fait, pour avoir une expérience du hasard, il faut bien bon, donc, lancer. Comment est-ce qu'on appelle ça? L'idéal, c'est de comment est-ce qu'on appelle ça
pas mélanger, parce qu'on ne mélange pas un dé, mais on dire, on prend le dé dans sa main et enfin, on fait un mouvement de va-et-vient comme ceci. Et puis après, hop, on le lance correctement, mais lancer, comme je l'ai dit, main ouverte, à ce qu'il fasse plus d'un tour. Et l'idéal, s'il fait, plus il fera de tours, mieux c'est, parce que bon, voilà. Et quand il retombe, il ne doit pas retomber en oblique, il doit retomber à plat. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les conditions de hasard. Il ne faut pas qu'on ait quelque chose de construit. Si je lance un dé que j'essaie de m'arranger pour qu'il fasse un tour, j'y arriverai, hein. Et en sachant que le résultat en bas, je sais combien il a, je lui fais faire un tour, mais je sais combien j'aurai parce que voilà, je n'ai pas bien lancé le dé, je me suis arrangé pour lui faire faire un tour, et à moyen de lui faire faire un tour. Il y en a, ils vont calculer pour lui faire faire deux tours. Donc en fait, ils savent bien où ils vont. Mais c'est pas comme ça en fait. Il faut que le dé tourne correctement bien. D'ailleurs, dans les jeux du casino, je crois que les dés tournent au travers de moteurs, comme ça. C'est un moteur qui tourne, une roulette, c'est une roulette, hein. Et la roulette le lance correctement bien, hein. La roulette le lance correctement bien pour que, je veux dire fasse ces différents types de mouvements, mais pas un mouvement simple, mais un mouvement complexe. Voilà. La probabilité, enfin, le hasard viendra de plus d'un mouvement complexe que d'un mouvement, je veux dire, simple. Un hein. Mouvement simple, il peut vite s'arrêter, il a fait un tour, on sait bien ce qu'on va voir. D'ailleurs, il y en a qui trichent comme ça. Hein. Donc, il faut qu'il fasse plusieurs tours. Voilà. Et pour éviter les discussions, il doit tomber à plat, parce que bon, s'il est à moitié oblique, il y en a, ils vont dire, ouais, bon, là, mais non. C'est pas ça le résultat parce que c'est lequel? S'il est à moitié oblique, il y a deux résultats possibles. Hein, s'il est mis comme ceci, la personne va aller chercher le résultat qui l'arrange. Voilà. S'il a misé deux, il va dire ouais, il est sur deux. Non, il n'est pas sur deux. Et s'il avait misé trois, il va dire ouais, il est sur trois. Il est plus côté. Non, il doit retomber à plat. À plat. Donc, vous voyez que. Par rapport au sol, hein, par rapport au sol. Donc vous voyez que l'expérience, comment dire, l'expérience a besoin donc de règles, de l'art dans la façon d'agir, enfin lorsque le phénomène aléatoire va agir. Voilà. Alors, par exemple, l'épreuve, ce sera. L'épreuve, c'est. Jeter une fois le dé. Voilà, jeter les. Bon, je crois que ici, pour l'expérience aléatoire, j'en ai assez dit. Hein. Donc, ce que je vais faire maintenant, je reprends une nouvelle vidéo. Ça, c'était pour compléter la précédente, pour que ce soit pas trop long. Et bon, j'ai dû partir aussi. Voilà. Et donc, je vais faire une nouvelle vidéo concernant, je veux dire, la suite. Vous aurez compris que le cheminement à faire, c'est d'arriver aux probabilités. Mais il y a toute une théorie adjacente que si on ne touche pas le fin fond. Enfin, si on va pas au détail, ben on comprendra pas les probabilités. Voilà. Parce que maintenant on a des outils, c'est facile. Mais auparavant, ils n'avaient pas d'outils, c'était complexe. C'était complexe. Voilà. Là, quand on n'a pas d'outils, j'ai toujours dit que c'était complexe. La preuve, les Égyptiens, j'ai dit qu'ils n'avaient pas d'outils pour formuler certains problèmes qu'ils avaient décrits dans des papyrus, voilà, c'est ça que je cherchais le mot dans la vidéo précédente, c'était papyrus. Voilà. Ils avaient écrit dans des papyrus, je sais pas, c'était le scribe qui écrivait dans les papyrus. Il y avait différents problèmes écrits dans des scribes qui n'arrivaient pas à résoudre. Mais en fait, après, avec les équations qui sont venues, on a compris que eux, ils n'avaient pas les équations, ils connaissaient pas les équations. Donc, c'était complexe pour eux de résoudre des problèmes. Inhérents aux fractions, parce qu'ils n'avaient pas ils connaissaient pas les équations. Ben, des moments où on connaît les équations, c'est facile. Faire des fractions, c'est facile. Hein. Les équations fractionnaires, c'est facile. Mais eux, ils n'avaient pas ça, donc c'était compliqué. Et eux, il faut se positionner dans le même schéma pour ceux qui étaient, je veux dire, dans les années 1700, 1600, 1700, hein, pour comprendre, je veux dire,
ces théories-là sur les phénomènes aléatoires mathématiques, ils ont commencé à conceptualiser au niveau mathématique et qu'ils essaient de comprendre. Bon, la compréhension n'est pas venue du jour au lendemain comme ça. Les formules ne sont pas tombées du ciel. Et je vous prie de me croire que c'est pas toujours facile, hein. Les probabilités, c'est pas toujours facile. Je peux donner une probabilité à certaines personnes, ils vont se tirer les cheveux pour en trouver une. Donc, je veux dire, voilà. Donc, il faut bien comprendre, mettre les choses en place pour entrevoir certaines choses qui peuvent paraître faciles parce qu'on a les formules. Certaines personnes ne les avaient pas à cette époque-là, mais il y a des probabilités très difficiles que même avec des formules, vous allez vous tirer les cheveux. Ça dépend, je veux dire, voilà, ça dépend la vision que l'on a du problème sur les probabilités. Voilà. Et oui, il y a des problèmes simples sur les probabilités. Oui, enfin, effectivement, le problème de dés, etc. Les dés, bon, quoique le chevalier de Méret, c'est un problème de dés, mais le chevalier de Méret n'avait pas d'outils, il ne connaissait pas la formule de nombre de cas possibles sur nombre de cas favorables. Le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, je m'excuse. C'est le nombre de cas. Nombre de cas favorables sur le nombre total de cas possibles. Voilà. Eux, ils n'avaient pas cette formule de probabilité. Voilà. Ils n'avaient pas cette probabilité d'un événement donné. Donc, ils ont dû faire sans ça. Donc, aller chercher la probabilité sans ça. Donc c'est un petit peu ça, un problème que je vais décortiquer sur le chevalier de Méret. Chevalier de Méret, je vais le décortiquer en son temps. Comment ils ont, à cette époque-là, ils ont réfléchi pour trouver le fameux problème qui était posé entre savants. C'était une énigme d'un savant à l'autre. Et les autres savants, là, ils tentaient d'essayer de résoudre ce problème-là. Voilà. Mais il y a des problèmes qui sont hyper complexes en probabilité, et je vous dis, voilà, qu'il faut avoir une vue d'esprit pour essayer de comprendre certains problèmes de probabilité. Et qu'on n'a pas ça facilement comme ça, je veux dire, en claquant des doigts. C'est ça que je veux dire. Donc, il faut bien comprendre les fameux problèmes de probabilité, parce que je veux dire, parfois, ils peuvent être conséquents. Et peut-être que je ferai des problèmes conséquents de probabilité pour vous montrer que, hein, il suffit pas d'avoir une formule pour se dire, bon, il y a beaucoup de réflexions parfois dans certaines probabilités, en fait. Voilà. Donc ici, je vais en terminer ici avec, avec cette vidéo pour en faire une. Donc ici, c'était tout simplement, si je veux intituler cette vidéo-ci, c'est Phénomène ou expérience aléatoire. Voilà. Je vous remercie beaucoup.